d'un épais crachin printanier, le SL Rugby s'apprêtait à recevoir son homologue de Cluny. Des conditions atmosphériques détestables qui n'entamèrent pourtant en rien la volonté et le travail de l'équipe de bénévoles. Ces furieux, comme les surnomme affectueusement le président Pascal Cuard, qui réussirent même la prouesse de nettoyer le ciel léogardien de ses nuages une fois l'après-midi venu. Malheureusement, l'équipe réserve n'a pas pu se déplacer, une journée un peu particulière, puisqu'il y avait qu'un match et c'était à 15h, donc une journée un petit peu longue, et puis en attendant la vue de l'équipe. Une préparation de Cluny, donc on l'a bossé toute la semaine sereinement. Cluny, c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien, puisque ça a été notre déclic de la saison, c'est notre première victoire à l'extérieur. Première mi-temps assez mitigée, beaucoup de foot de main. Énormément de pénalités, on s'est fait beaucoup pénaliser, malgré le fait qu'on soit rentré avec 21-0 à la mi-temps, donc c'était pas non plus une première mi-temps réussie, on va dire. On s'est fait un peu secouer entre guillemets à la mi-temps et en retour sur le terrain, on a commencé à remettre les choses dans l'ordre avec des lancements qui ont été par des essais, conquête dominante. Voilà, après la fête était au rendez-vous, une fois que les passes s'enchaînaient dans la défense, le soutien était présent. On a pu voir une ribambelle d'essai, je pense que là, ça conclut la journée positivement pour le spectateur, pour le club. Et maintenant, on va se projeter vers Mazou, là, il nous reste deux semaines. Avant d'aller là-bas, faut bosser pour pouvoir aller faire quelque chose là-bas. De toute façon, pas le choix. On va préparer ça comme il faut. Un déplacement à Vevey, actuel troisième de la poule après avoir été en tête la majeure partie du temps. Déjà dans toutes les têtes des Orangers. À une victoire seulement de la Fédérale 3, objectif avoué des Léogardiens, 20 ans après lui avoir dit adieu. Du côté des réservistes orangés, privés de match ce week-end, il s'agira de préserver leur invincibilité et de préparer au mieux la finale régionale du 28 avril prochain face à Tournai. Une nouvelle fois, le printemps s'annonce radieux.